السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, je vais vous présenter une série d'exercices concernant le chapitre de la masse et volume et la masse volumique. Première année collège, BIOF, la matière sciences physiques. Exercice 1, fais le bon choix, on coche la case correspondante à la réponse correcte. Une masse se mesure avec une éprouvette graduée, une balance, un masse mètre. Un volume précis peut être mesuré avec un volume mètre, un bichère, une éprouvette graduée. Exercice numéro 2, convertis chacun des volumes et capacités demandés. 1650 ml, combien en litres? 10 mètres cubes, combien en litres? 14 hectolitres, combien en mètres cubes? 20 ml, combien en centimètres cubes? Exercice 3. Répondez par vrai ou faux. Cochez les réponses correctes et corrigez les phrases fausses. La touche tare d'une balance électronique permet de mesurer la masse d'un récipient sans tenir compte de la masse du liquide contenu dans le récipient. C'est vrai ou faux? B. Le volume d'un solide peut être mesuré avec une balance. Exercice 4. Complétez l'essentiel. La masse volumique est une grandeur physique caractérisant la d'un matériau par unité de et se note ρ égale m sur v et la masse du corps occupant un volume v. Dans les unités légales, la masse volumique est en kilogrammes par mètre cube. Notez, dans la pratique, d'autres unités sont souvent utilisées comme le gramme par centimètre cube et le gramme par litre ou le kilogramme par litre. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube égale combien en kg par litre et combien en grammes par centimètre cube et combien en grammes par millilitre. Là, s'écrit avec le même chiffre que la masse volumique en grammes par centimètre cube. La densité de l'eau est égale à 1. Exercice 5. Complétez la phrase. Le diagramme en bâton suivant représente la masse volumique en kilogrammes par mètre cube de quelques métaux. Donc voilà le diagramme. Voilà la masse volumique. Et voilà les métaux. Le cuivre, l'argent, l'or, l'aluminium, le fer et le zinc.
à volume égal et le métal ayant la plus grande masse. Range ces métaux du plus dense au moins dense. Exercice 6. Les objets flottent sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1 gramme par centimètre cube. Complétez le tableau ci-dessous et indiquez quel objet flotte sur l'eau. Donc voilà. Voilà le matériau, le fer. Liège, sapin, diamant, acajou. Donc la masse est en grammes, le volume en millilitres et on calcule la masse volumique. Donc selon la relation de la masse volumique rho égale m sur v. Donc voilà, m, la masse de fer égale 393 de volume égale 50 ml. Liège, de masse 48 et de volume égale 200 ml. Sapin, 45 grammes et 100 ml. 1,51 pour le diamant et 0,43 pour le volume en ml. L'acajou, 280 grammes et 400 ml. Et voilà. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذه لا سيري هذه في انتظار التصحيح إن شاء الله.